J'avais tellement hâte de vous faire cette vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des conseils pour essayer de vous décomplexer à la plage en maillot de bain. Et par signe de solidarité, je me suis mise en maillot de bain. Vous remarquerez que j'ai laissé mes poils sous cette aisselle et j'ai enlevé mes poils sous celle-ci. Voilà. Comme ça, si t'es complexé par tes poils, tu te sens concerné. Puis si tu enlèves tes poils, tu te sens pas exclu. On va commencer avec les pré-conseils. Regarde toute ma playlist de vidéos confiance en soi. C'est des conseils mais en amont à appliquer toute ta vie. Là ça va être ciblé maillot de bain, mais j'ai fait plein de vidéos sur la confiance. Ça va de la timidité au complexe physique, etc, etc. Donc n'hésite pas à aller voir toute la playlist, il y a 15 vidéos. N'hésite pas à choisir un maillot de bain qui te plaît. Bah oui, ne va pas t'enfermer dans le pire des maillots de bain juste parce que ça te cache tous tes défauts. Non, choisis juste un maillot de bain dans lequel tu te sens bien, dans lequel t'es à l'aise et que tu trouves joli. Ne te sabote pas. Fais-toi des soins, des gommages, des huiles. Prends soin de toi, genre. Et évidemment, les soins, c'est toujours naturel. Comment veux-tu apprendre à te respecter et à t'aimer si tu pollues l'eau à chaque fois que tu te shampoines les cheveux? Ça marche moyen. Cesse de te traiter comme ta pire ennemie. Vous vous permettez de vous dire des choses à vous-même que vous ne vous permettriez jamais de dire à qui que ce soit. Putain, mais respectez-vous! Te parle pas comme ça! À qui tu parles exactement? À qui tu parles? Conseil à appliquer toute l'année, toute la vie jusqu'à ce que tu meurs. Interdis-toi de te juger, de te parler, de penser des choses de toi que tu n'oserais jamais dire ou penser des autres. Par exemple, de ta meilleure amie, de ta maman, de ta sœur, de ta fille. Tu te mets un panneau stop dans ta tête et à chaque fois que tu as une pensée ou des mots sur ton corps que tu n'oserais jamais penser et dire d'une personne que t'aimes, tu te le retires du cerveau, tu le retires de la bouche. Interdiction complète. Ramasse tes gobelets en plastique que tu laisses sur la plage. Tu te prends pour qui? Non, parce que tant qu'on est dans la plage, à la mer, en maillot de bain, c'est bien mignon de vouloir faire la belle et de te sentir bien dans ta peau. Mais si c'est pour laisser tes vieux gobelets en plastique sur la plage qui vont finir littéralement dans l'océan, tuer tous les organismes possibles, dont tes petites tortues, ça ne sert à rien. Petite parenthèse terminée. Tout le monde s'en bat la race, s'en bat clairement castagnette de Taïve. Non, mais pourquoi tu dis ça? C'est réel, ma sœur, c'est réel. Tout le monde s'en carre le coquillage. Penses-tu que tu es le centre de l'univers? Penses-tu que quand tu arrives sur la plage, le monde entier se retourne et fait « Mais qui est cette fille? On va tous la regarder tous ensemble et tous la juger car elle est le centre de la Terre ?» Ah non. La plupart des gens à la plage, ils sont déjà focus sur leur gosse, tu vois. Ils sont focus sur leur propre bronzage, sur leur propre insécurité. Pense à tout. Sauf à toi. Eh les gens, ça fait un an, ils ont économisé, frère. C'est pas pour aller juger la petite meuf de 18 ans assise sur la plage avec son père et sa mère. Tu comprends? Le concept de vivre sa propre vie. Les seules personnes qui vont peut-être, par quel miracle dramatique, te critiquer, te juger, te regarder, ou que sais-je. Ou peut-être que ce sera un membre de ta famille qui te dira « Pourquoi tu mets ce maillot de bain, Julie, alors que, t'as des grosses fesses ?» Ça peut être aussi des copines, ça peut être les copines des copines, ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment intégrer un truc, ça c'est un truc que j'ai déjà dit plein de fois. Les personnes qui te critiquent, qui vont te juger, qui vont se permettre de te rabaisser, ce sont tout simplement des personnes qui sont à un degré plus élevé que toi de manque de confiance en eux et de complexe. Tout simplement en fait. Puisqu'elle est au degré où, pour se sentir mieux, elle n'a rien trouvé d'autre à faire que de te rabaisser. Comme je dis toujours, c'est beaucoup plus facile de rabaisser les autres plutôt que de s'élever soi-même. Et d'ailleurs, si tu fais partie de ces gens qui en sont arrivés au degré de faire des remarques dès qu'elles voient un physique, de critiquer le physique des autres dès qu'elles voient un physique qui ne leur ressemble pas ou qui lui ressemble, ou qui est comme celui qui... Retenez-vous, le seul truc qu'on voit d'une personne qui critique le corps des autres, c'est « tu es complexé ». Maintenant, on le sait tous, mais en plus, tu es méchante. Non, parce que ça aussi, il faut se le dire, les filles belles, là, vous avez vos boîtes belles, si ta vie, c'est de faire « Ah, elle est trop moche, moi j'ai plus de cul qu'elle !» Tu deviens laide dans la seconde. Tu n'as pas économisé une putain d'année, là. Hein, t'as ramassé, t'as galéré, t'as mis de côté tous les jours de ta vie pour putain toucher ce sable chaud. Aller foutre tes putains de jambes dans cette putain d'eau claire ou pleine de crème solaire bien chimique.
Je vous renvoie à ma dernière vidéo. Bref, tu t'es payé des vacances ou mieux encore, tu as des parents qui se sont cassés le cul pour te payer des vacances, pour que tu partes en vacances. Tu as une chance extraordinaire. Il y a des gens dans ce monde, vraiment, dans ce monde, en France, moi, qui ne partent pas en vacances. Eh, il y a des enfants, ils ont jamais vu la mer. Ils ont jamais vu la mer. Ils savent même pas c'est quoi se mettre sous un parasol sur une plage. Et toi, t'es là. Oui, mais non, je veux pas venir parce que après, il y a peut-être éventuellement une personne qui pourrait se retourner quand je vais enlever mon short et aller dans l'eau. Vraiment, c'est ça ton souci dans la vie? C'est ça ton problème? C'est ça ta galère? S'il te plaît, rien que pour mon bonheur personnel. Rien que pour mon plaisir de satisfaction par procuration. Et kiffe ta vie à la plage. Et s'il te plaît, et kiffe ta vie à la plage. Le meilleur moyen de clouer le bec aux personnes qui te critiqueront, par exemple dans les commentaires Instagram ou ta sœur ou ta dernière détente là qui peut pas s'en empêcher, ne t'embête pas à essayer de convaincre ta tante que oui, tu te sens bien et que tu es belle et qu'il faut te laisser tranquille. Non, tu veux la meilleure des réponses. Et tu sors ton maillot de bain préféré, tu lèves la tête, tu marches, tu vas dans l'eau, tu fais des petites brasses, tu sors de l'eau, les cheveux mouillés, comme ça. Et c'est tout. C'est la meilleure de toutes les réponses du monde. Ça veut dire, oh, ça ne m'attend pas, quel dommage. Quand on essaye de t'éteindre, brille 5 fois plus. Moi, vraiment, mon moteur, c'est de me dire, je trouve des exemples de filles qui me ressemblent, qui ont les mêmes particularités, qui ont les mêmes défauts. Puis, je les suis sur les réseaux, je les regarde être fières de leur corps, et à force, ça rentre dans ma tête, en fait. À force, je me dis, putain, cette meuf m'inspire, à mon tour d'inspirer les autres. Là, je vais vous partager que 3 comptes Instagram, mais je vous donne rendez-vous sur mon Instagram, dans lequel je vais faire une story qui sera mise à la une, donc du coup, qui sera permanente, de body positive, dans lesquelles je vais mettre vos messages de soutien, et vos messages d'encouragement pour aimer son corps, et dans lequel je vais mettre aussi des photos de femmes que je trouve inspirantes, de tous les physiques, des filles minces, des filles plus rondes, des filles avec des petites poitrines, des grosses poitrines et ainsi de suite. Comme ça, tout le monde pourra s'y retrouver. Pour toutes les personnes qui n'assumeraient pas leur poil, moi, je pense que c'est un truc qu'il faut savoir assumer, même si au quotidien on décide de s'épiler, quand on en a, il faut pas en avoir honte pour autant. C'est juste des poils en fait, je veux dire, on est des personnes adultes, donc on a des poils. Fin du débat. Et à chaque fois que je vois une photo d'elle où elle montre ses aisselles, je me dis toujours, putain mais ça ne coupe en rien son sex-appeal. Alors cette fille, je l'adore, je la suis sur Insta, je la trouve géniale. Elle se kiffe, y a pas d'autre chose à dire, la meuf est on flic. Franchement, elle est d'un niveau d'alésitude, j'ai pas les mots. Donc pour les petites poitrines et les filles plutôt fines, il y a Zendaya et je sais pas la prononcer. Voilà, deux filles minces avec des petites poitrines qui slayent. Il y a beaucoup de filles qui complexent sur le fait d'être très minces. Ce qui prouve bien que ça vient pas du physique le complexe, parce que bah, les filles minces sont surreprésentées dans les médias et partout à vrai dire. Et malgré ça, voilà, il y a des filles qui arrivent quand même à complexer sur ça. Donc voilà, la preuve que ça ne vient pas du physique ou de la représentation, c'est juste que... Le but c'est de les suivre, d'imprégner, de s'inspirer, puis ensuite ce sera à votre tour de marcher dans la rue fièrement, de taper la démarche, de se kiffer, de mettre ce que vous voulez comme vêtements et d'inspirer chaque fille que vous verrez dans la rue, d'inspirer chaque fille que vous croiserez au travail, en vacances, etc. Dites-vous qu'à chaque fois que vous prenez votre petit corps là et que vous allez jusqu'à l'eau, que vous baignez, que vous revenez à votre serviette, il y a peut-être une ado de 15 ans qui a pris un peu de poids ou qui au contraire a perdu beaucoup de poids, qui va vous regarder et se dire, waouh, putain, t'es mal, la fille là-bas, elle est incroyable, elle est encore comme le mien, putain, elle a l'air d'être bien, elle a l'air de s'aimer, elle se cache pas sous son parasol comme je suis en train de le faire, peut-être que moi aussi je peux essayer, si elle se sent bien, quoi, moi je me sentirais mal. Les filles qui ont des fortes poitrines, elles veulent des petites poitrines, les filles qui ont des petites poitrines, elles veulent des fortes poitrines, les filles qui ont des petites fesses, elles veulent des grosses fesses, les filles qui ont des grosses fesses, elles veulent des petites fesses. Je vous jure, j'ai vu tous les complexes possibles, même des complexes qui sont considérés dans notre société comme des atouts. Des filles en deviennent malades, tellement elles veulent ressembler à cet idéal, et il y a d'autres filles qui sont dans cet idéal et qui, elles, rêvent d'être de l'autre côté. Le problème, il est pas dans ton physique, le problème, il est dans ta tête, et je ne cesserai jamais de le dire. J'espère que ça vous a motivé, ne serait-ce qu'un petit peu. N'hésitez pas à donner tous vos conseils et tout votre soutien dans les commentaires. Je vous donne donc rendez-vous en Insta Story pour ma story body positive, en espérant qu'elle vous inspirera. Et sur ce, bah, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye!